commencé PyCon, c'est 2500 personnes. Mm-hmm. En gros, c'est presque 2 semaines d'événements. C'est-à-dire qu'on a 2 jours d'atelier qui sont suivis par les 3 jours de conférence. OK. Donc ça, c'est le mercredi et jeudi, donc mercredi, les ateliers. Mercredi, jeudi, on a les ateliers. Mm-hmm. Vendredi, samedi, dimanche, la conférence en tant que telle. Mm-hmm. Donc c'est, la conférence, c'est toute la journée, 5 tracks en parallèle. Mm-hmm. Donc, tu as 5 présentations en parallèle. Mm-hmm. Et il y a la 6e track dont on parlait. La 6e track qui permet aux gens d'aller visiter la ville. Ouais. Le samedi matin, on a la course de 5 kilomètres. Mm-hmm. Le samedi et le dimanche, on a aussi les ateliers pour les jeunes. Un en anglais, un en français. Samedi en anglais, le dimanche en français. En français. Ouais. On a plein d'événements le soir aussi. En fait, on a un dîner pour les conférenciers. Mm-hmm. On a un encan pour ramasser des fonds pour les Pie Ladies, qui est un groupe de programmeuses Python. Ouais. On a un Pie Ladies à Montréal aussi. On a un Pie Ladies à Montréal, c'est vrai. Qui est né aussi, en fait, probablement de l'inspiration de la conférence. En fait. Mm-hmm. Okay. Et puis, par la suite, durant la semaine, lundi et mardi, il y a la Software Carpentry, qui est une branche de Mozilla Foundation, qui vient en fait donner des ateliers pour aider les scientifiques de meilleurs programmeurs. Oui, parce que là, on ne parle pas juste avec la Software Carpentry de programmer en Python. Là. Non. Là, c'est un scope plus large qui est qui est d'amener finalement les scientifiques dans le monde, on peut le dire, d'open source, hein, puis faire de la science ouverte en quelque sorte, d'avoir les bons fondements informatiques. Concrètement, pour pouvoir bien maîtriser Git, aussi l'operating system. Donc, il y a Git et il y a des programmations en Python aussi. Oui, il y a même une introduction à R aussi pour les... Oui, exact, R. Il y a même un atelier spécialisé qu'ils font aussi sur la micro... sauf erreur de ma part, microbiologie ou la génétique. Puis ça, je crois que c'est un atelier Python. Okay. Mais tout ça, on retrouve toutes ces informations-là sur le site PyCon US. Oui, us.pycon.org. OK. Ben, après ça, on va prendre un bon repos pour on va recommencer pour 2015. Voilà.